Refusez, occupe-toi des Français. 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 Regagnez les véhicules, messieurs dames, on évacue la place. Regagnez vos véhicules. Allez, on évacue la place. En fait, à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la bioéthique va être débattu cette semaine avec un vote solennel le 5 juillet. Et nous pensons que le gouvernement a d'autres priorités que de remettre sur le tapis ce projet de loi de bioéthique qui n'intéresse personne, ni même le gouvernement, ni même les Français, puisque d'après le dernier sondage qu'on a effectué, on s'aperçoit que ce projet de loi bioéthique arrive en dernière position au niveau des besoins des Français, après l'emploi, après la relance économique, après des sujets de sécurité et autres. Donc pourquoi le gouvernement est-il autant dogmatique? En plus, ce projet de loi d'étendre la PMA à toutes les femmes a un coût non négligeable pour la sécurité sociale, puisque ça serait remboursé par la sécurité sociale. Et je pense que l'hôpital a besoin d'argent et a besoin de mettre cet argent dans des choses plus importantes que une PMA de confort, parce que des personnes désireraient avoir un enfant, même si biologiquement, elles ne peuvent pas.